Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de la correction du sujet 2022. Donc, on va commencer par le module 4. La dernière fois, on avait déjà corrigé les modules 1, 2 et 3. Aujourd'hui, on va faire le module 4 et l'anglais. Donc, dans l'encart indiquant des fréquences radio sur une carte VAC, quand il y a le sigle A/A, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce qu'il faudra dire alpha-alpha au début de chaque message? Non. Au début de chaque message, on commencera par le nom de l'aérodrome qu'on est en train de contacter. Par exemple, si je vais à Figeac, je vais dire Figeac de Fox Zulu Delta. Donc, Figeac, c'est le lieu que je contacte. Et Fox Zulu Delta, c'est l'identification de mon avion. Donc, si je regarde ici une carte VAC, on voit bien ici le AA et on nous donne une fréquence. Cette fréquence, c'est la fréquence de air to air. C'est-à-dire en auto-information, hein. C'est pas qu'il y a des missiles air-air sur l'aérodrome à Figeac, qu'on n'a pas de militaires, c'est pas une annonce automatique, et donc c'était directement l'AD. Les numéros pour désigner les pistes, c'est quoi? Si on regarde du coup notre carte VAC, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a deux numéros, le 29 et le 11. Si on regarde, le 29 qui est ici correspond à 289 degrés. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les dizaines et on prend les dizaines la plus proche. Donc ici, c'est 28,9. Le plus proche, c'est 29. Ici, on est à 109. Ça fait 10,9. Et 10,9, le plus proche, c'est 11. Donc ici, c'est directement la dizaine la plus proche. Deuxième petite remarque, tant qu'on y est. Ici, il y a le 11 qui est entouré par rapport au 29. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas de vent, on choisira la 11 parce que la piste, dans le cas de Figeac, est un petit peu plus longue à cause d'un seuil décalé ici. Donc, si je reviens ici, les numéros pour désigner les pistes, c'est quoi? Est-ce que c'est choisi par le maire? Non, pas du tout. Alors, il faut savoir qu'en fait, les numéros de pistes peuvent changer dans le temps quand le nord magnétique va bouger sur la planète. Comme les numéros de pistes sont donnés par rapport au nord magnétique, et bien du coup, ça pourra changer. Donc ici, la bonne réponse, c'était les dizaines arrondies de l'orientation géographique de la piste. 4.3, l'indication sur le VOR. Alors, le VOR, c'est un instrument, on en avait déjà parlé, qui est un peu chiant, hein, soyons honnêtes, en tant que débutant BIA, c'est pas facile, et en tant que pilote, c'est pas beaucoup plus évident. Le VOR, il est constitué comme ça, il a, en gros, ici, il va avoir une ligne qui va être à droite ou à gauche, et on va avoir ici un petit sigle qui nous dit to ou from. Voilà. En fait, le VOR, il faut imaginer que c'est un point sur lequel on va régler ici. Ici, grâce à un bouton, on va régler, par exemple, je me règle sur le 340. Non, je vais prendre un exemple simple pour que ce soit plus facile. Je vais prendre le 300, voilà, degrés. 300 degrés, c'est ici. Voilà. Alors, ça dépend de comment je me règle. Mais en gros, le VOR va calculer par rapport à la ligne qui est perpendiculaire à ces 300 degrés. Est-ce que je suis en train de me rapprocher ou de m'éloigner de... Est-ce que je suis en train d'être... Pardon. Dans la direction du 300. Donc le 300, il est vers là-bas. Hein. Voilà. Et voilà. Ici, on est comme ça. Donc mon avion, s'il est quelque part ici, peu importe qu'il soit orienté à l'envers. Voilà. Mon avion, ici, il est vers le 300. Dans l'ordre général, parce qu'on l'a réglé comme ça. Donc là, ici, on sera en tout. Et si on était quelque part ici, peu importe l'orientation de l'avion, l'avion il peut être comme ça ou il peut très bien être comme ça, hein, on s'en fiche. Là, l'avion il est en from. Tout ça, c'est le from et tout ça, c'est le tout. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le VOR, l'orientation de l'avion n'a pas d'importance, c'est que la position dans l'espace par rapport au radial qui va compter. Donc la 4.3, seule compte la position de l'avion, mais pas son cap. Voilà. Il peut être vert ou pas vert, c'est pas grave, ce qui est important, c'est par rapport au dessin. La formation Fox Alpha Tango proposée par la DGAC. C'est une formation à distance pour effectuer le télépilotage de drone à partir de... Alors honnêtement, ça fait partie des questions du BIA, pareil, j'en avais jamais entendu parler. La bonne réponse, c'est 800 grammes. Voilà. Si on regarde les lettres, c'est assez rigolo parce que ça fait FAT. C'est-à-dire fat, et en anglais ça veut dire gros. Voilà, donc c'est pour les gros drones, probablement. En France métropolitaine, un lieu déterminé, la nuit aéronautique commence quand? Il faut se souvenir de ce schéma-là. Là, c'est le lever du soleil.
Là, c'est le coucher du soleil. Ça, c'est la nuit civile. Bah, la nuit aéronautique, elle va 30 minutes, elle va commencer 30 minutes avant et elle va finir 30 minutes après. Ça, c'est le jour aéronautique. OK? Le problème, c'est qu'ici, on ne nous parle pas du jour aéronautique, on nous parle de la nuit aéronautique. Donc en fait, ça c'est le truc un peu con des fois dans le BIA, c'est que souvent la question c'est le jour aéronautique, quand est-ce qu'il commence? Donc là, il faut dire, la nuit aéronautique, elle commence quand? Eh bien, elle commence 30 minutes après le coucher du soleil. Donc ça, c'est bon. Donc celui-là, il est bon. Oui, celui-là, il est bon. Et est-ce qu'il commence 30 minutes avant? Non. Donc ça, c'est pas bon. Déjà, on peut l'éliminer. Non. Et elle se termine. Eh bien, on vient ici, elle se termine 30 minutes avant le lever du soleil. 30 minutes après, c'est pas bon. 30 minutes après, c'est pas bon. Donc la bonne réponse, c'était la B. Voilà. Donc ça, faites bien attention à ça. Moi, je vous conseille toujours dans le BIA, prenez un brouillon à côté, faites des petits schémas ou juste à côté de la question pour pouvoir éliminer vraiment les réponses qui ne sont pas les bonnes. Pour voler en France, les avions certifiés doivent obligatoirement posséder quoi? Alors, le seul qui va être bon, bah, la facture d'achat, non, pas nécessairement, même si on pourrait imaginer qu'il y a une traçabilité. L'habilitation de radio-téléphonie en langue française, non. Ça fait partie de la formation PPL, mais là, attention, radio-téléphonie, c'est pas l'avion qui serait certifié dans ce cas-là. Et puis un avion qui soit en langue française ou en langue anglaise, lui, il s'en fout, hein. C'est le pilote qui est en langue française. Donc là, les deux bons trucs, c'est le certificat de navigabilité et d'examen de navigabilité. Il y en a un des deux qui est valable a priori à vie, sauf accident, et le deuxième qui doit être prorogé régulièrement par un mécanicien agréé, si je ne me trompe pas. En vol de nuit, vous apercevez un avion qui s'éloigne de vous. Alors, s'il s'éloigne, vous imaginez, vous avez l'avion qui est comme ça, il s'éloigne. On pense bien, moi je vous conseille, hein, vous prenez une règle, vous faites un petit tracé, ensuite vous mettez un peu du feutre rouge à gauche et du feutre vert à droite, et comme ça vous êtes là, vous pouvez tourner votre règle avec un petit stylo, hein, comme ça. Voilà, là j'ai mon avion, ok, je prends deux stylos, je sais que le rouge est à gauche, le vert est à droite, hop, et là je me dis, ok, il est en train de s'éloigner de moi, donc là vous l'avez dans votre sens, il s'éloigne de moi, et donc c'est quoi que je vois? Je vois rouge. Le cul de l'avion, il est souvent un blanc clignotant ou un rouge clignotant, ou voilà, mais blanc en général, et vert. Donc là, la bonne réponse, c'est rouge, blanc, vert, et donc c'est la 4.7. 4.8, le temps universel. Alors, le temps universel en France, il faut se souvenir qu'on a un décalage de 2 heures en été et 1 heure en hiver. Donc ici, il ne faut pas se tromper de sens. La bonne réponse, c'est celle-ci. Hop. Hop là, excusez-moi. Donc ici, pour ne pas se tromper, il faut se souvenir que l'hiver, l'heure française locale, c'est UTC plus 1 heure. Et l'heure, donc l'heure, ça c'était l'hiver, hein, et l'heure d'été, c'est UTC plus 2 heures. Donc ça, c'est vraiment à connaître par cœur. Il y a régulièrement des questions sur ça. Hop là. Et donc attention, si l'heure française, c'est UTC plus 2, quand on me demande l'heure UTC par rapport à la France, ça va être UTC moins 2 et UTC moins 1. Deux aéronefs dont les routes convergent doivent. Alors comment on s'évite? En aviation, c'est toujours la même chose. On s'évite par la droite, surtout pas par en dessous ou au-dessus. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, on est moins attentif et tout ça. La règle, c'est toujours, toujours, toujours par la droite. Donc on arrive face à face, chacun va aller à droite pour s'éviter. Point 10. Donc là, ici, on va avoir besoin de cette carte-là. Je vais la laisser afficher au tableau et je lirai les questions directement, hein. Ce sera plus simple. On mesure sur la carte, ici, on vient de là, on va ici, hop, et on mesure sur la carte une route vraie de 124 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, tac, route vraie égale 124 degrés. On nous dit ensuite,
La déclinaison magnétique est de 1 degré est. Donc là, je vais la tracer. Alors, je vais volontairement l'abuser pour que vous y voyez, mais en fait, c'est pour l'idée, hein. Ici, j'ai donc 1 degré est. Là, je suis ici, en déclinaison magnétique. Quelle est la route magnétique? Ben, en fait, si ça, c'est la déclinaison magnétique, en gros, ce qu'il fallait imaginer, c'est que là, c'est le nord vrai, et ma ligne rouge, c'est le nord magnétique. Hop. Peut-être que vous y verrez mieux si je fais ça. Est-ce que c'est mieux ici? Ouais. Vite fait. Bon. Ici, j'ai le nord magnétique. Bon, je vais le faire à côté. Hop, il verra mieux. Nord vrai, il est là. J'ai ici ma route vraie 124 degrés. Sauf que dans mon avion, je ne vois pas le nord géographique, je ne vois que le nord magnétique. Ici, on me dit qu'il est à 1 degré à l'est. Quelle sera du coup la route magnétique? Ben, la route magnétique, c'est ça. Et ici, ça vaudra quoi? Ben, ça vaudra ma route vraie moins les 1 degré, donc il me restera 123 degrés. Donc la réponse à la question 4.10, ce sera la réponse B, 123 degrés. Question 4.11. La préparation de vol comprend l'étude des données météo. OK. Et on me dit quel type d'info ne fait pas partie de l'étude météo. Ben en fait, si on regarde les choses qui nous sont proposées, hein, METAR, R, c'est pour report, c'est un rapport météo. Donc ça, oui, c'est bien partie des infos qu'on va avoir. NOTAM, ça, c'est des messages qui nous préviennent de travaux, de pistes qui sont désactivées, de choses qui ne fonctionnent pas, de zones temporaires, de choses comme ça. Ça, c'est hyper important, ça fait partie de la préparation du vol. Par contre, ça ne fait pas partie des données météo. Donc là, celle-là, ce qui est un peu chaud, c'est que ça fait bien partie de la préparation du vol. Mais dans la question, on nous dit les données météo. TAF, donc là, c'est forecast, d'accord? C'est une prévision météo, donc ça fait partie, ça c'est le rapport actuel, ça c'est la prévision. Et les cartes TEMSI et WINTEM, TEMSI c'est les temps significatifs, c'est celle où on va retrouver les différents fronts, où on va retrouver un peu les visibilités, etc. Et la carte WINTEM, c'est la carte des wind, le vent, et TEM, température. Donc ça fait partie aussi de la préparation météo. Donc en fait, ici, la bonne question, c'était de dire... Qu'est-ce qui ne fait pas partie des données météo, mais qu'on a quand même dans la préparation du vol, et c'est donc les mots notables. Voilà. 4.11B. 4.12. Votre navigation est au cap théorique 124 degrés. 134 degrés, pardon. Les bulletins météo annoncent une prévision du vent au nord pour 20 degrés. 20 nœuds. Je fais du mal aujourd'hui, hein. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il faut voir? On va reprendre un petit schéma. Les schémas, c'est ce qui marche le mieux. Je suis censé aller comme ça. Là, je suis à 134 degrés, okay, par rapport à un nord. Et on me prévoit du vent du nord. 20 nœuds. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que déjà, il faudrait qu'on sache à quelle vitesse notre avion y va. Ça, des fois, on nous le précise, d'accord? On va supposer que notre avion y va, ah, j'en sais rien, je vais faire un truc à peu près. On va dire qu'il va à 60 nœuds. Je fais un truc, c'est juste pour que ce soit. Donc là, il va à 60 nœuds. La flèche, vous voyez, elle est trois fois plus grande que celle-ci. Comment il va falloir que je fasse pour que mon avion il aille ici? Ben, je vais prendre mes 60 nœuds et je vais essayer de regarder ici. Je vais tracer un cercle vert qui fait cette taille-là. Oula, ceci est un cercle, ça ne se voit pas sur mon dessin. Hein, okay. Ça, c'est tous les endroits que mon avion il peut atteindre à 60 nœuds. Le problème, c'est qu'il va falloir rajouter ensuite. Les 20 nœuds verticaux. Or, si je viens faire une flèche verte quelque part, je vais faire un exemple ici. Si mon avion il allait comme ça, je rajouterais les 20 nœuds verticaux ici, et en réalité, mon avion il va voler un peu en crabe, il irait ici. Pour pouvoir calculer ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir que je prenne cette flèche-là verticalement, que je la mette ici quelque part, et que je regarde à quel endroit ça touche le cercle vert. Ça touche le cercle vert ici. Là, j'ai mes 20 nœuds devant. Et donc, mon avion, il va aller à peu près comme ça. À 60 nœuds ou 80 nœuds ou 100 nœuds, peu importe. C'est juste pour donner une idée. Et donc, si on regarde, mon avion, en réalité, si on le regarde depuis le sol, il aura fait la flèche bleue ici.
il aurait été un peu plus vite parce que le vent, alors oui, ça le pousse vers la droite, mais ça aussi l'aide à accélérer un petit peu. Donc ici, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce que ça a aucune incidence sur la navigation? Ben, si, ça a toujours une incidence, le vent. Est-ce qu'il nous oblige à diminuer notre cap? Si on regarde, il faut bien que je diminue le cap et le vent va me repousser. Donc ça, oui, potentiellement. Le vent risque de vous obliger à augmenter le cap. Si j'augmente le cap, imaginons que je fasse une flèche verte par ici, d'accord? Qu'est-ce qui se passerait? Ben, mon vent me pousserait de 20 nœuds vers ici et j'irai encore plus vers le sud. Donc là, ça irait pas. Donc ça, c'est pas bon. Hop. Il n'influencera que la durée du vol. Alors ça, ce serait vrai si mon vent, il était parallèle. Imaginons que je vais dans ce sens-là. J'ai le vent qui est, par exemple, dans le même sens que mon trajet. Bah oui, ça va pas me décaler sur le côté parce que le vent, il est parallèle à ma trajectoire. Mais ou même s'il était en face de moi, ça jouerait juste sur le temps que je vais mettre pour arriver. Donc ça, c'est pas vrai dans ce cas-là. Donc la bonne réponse pour la 12, c'était la B. La 13. En effectuant le tracé de votre navigation sur la carte, vous constatez que vous traverserez la zone P24. Alors comment on le voit qu'on traverse la zone P24? On remonte. Regardez, ici, rouge. Voilà, P24. Qu'est-ce que ça veut dire P? Il faut rappeler les bons trucs, hein. P, c'est prohibited. Prohibited. Ça veut dire complètement interdit, même pas en rêve. D, ça veut dire dangerous. Dangereux. Et R, ça veut dire restricted. Donc ça veut dire restreint. Il y a des conditions pour rentrer dedans. Ici, on est dans le cas d'un P, donc complètement interdit. Donc il va falloir absolument éviter la zone. Pour ça, qu'est-ce que nous propose le sujet? Soit on suit le tracé théorique parce que ça va plus vite. Ouais, mais non. Ici, non, non. Évitez la zone rouge car c'est une zone réservée aux parachutistes. Non, le P, ça ne veut pas dire parachutiste. Car cette zone est interdite aux aéronefs. Oui. Et protégée. Ils ont voulu mettre un mot avec P. Non, mais c'est pas ça. C'est complètement interdit. Donc la bonne réponse, c'était la C. 4.14. Sur quelle longitude approximative se trouve la P24? Alors, la longitude, c'est ce qui est en allongé. D'accord? Donc ici, je vais regarder là. Alors pour que vous y voyez mieux à la caméra, je vais éteindre la lumière. La longitude. Alors la longitude, si vous regardez, j'ai un trait ici. Tac. C'est le 2 degrés est. Donc je sais que ici, je suis à 2 degrés est. Ici, ce trait-là, je vois, il est à 3 degrés. Si on regarde la P24, elle est sur le trait qui est au milieu. Donc on peut dire qu'elle est à 2,5 degrés est. Voilà un petit peu comment on va lire la longitude. Alors il faut faire attention parce que le trait il est ici, mais les valeurs elles sont données à côté du trait vertical. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Donc là, 2,5 degrés est. La bonne réponse de la question 14, c'était donc la D. Ici. Question 15. La cause d'accident la moins fréquente en aéronautique. Alors attention, on ne demande pas la plus fréquente, on nous demande la moins fréquente. Dans les très fréquents, pilote, ça c'est sûr. Météo, ça c'est sûr. Infrastructure, ça voudrait dire les bâtiments. Est-ce que c'est souvent les bâtiments qui créent des accidents en avion? Non. Ou les antennes ou comme ça peut arriver, mais c'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est les erreurs de pilotage, la météo qui s'est gâtée ou le pilote qui a été un peu inconscient de partir alors que la météo, elle était un peu moyenne. L'aéronef, bah oui, ça arrive, les pannes mécaniques. Donc ici, la bonne réponse, parce qu'on nous demande la moins fréquente, en fait, la question, elle est posée à l'envers, c'est donc la C. Quelle est la distance à vol d'oiseau entre LFOZ et LFEI? Alors là, bien sûr, il faudrait le lire avec les lettres, hein. Lima, Foxtrot, Oscar, Zulu, Lima, Foxtrot, Echo, India. Donc, la distance à vol d'oiseau. On va aller sur la carte. Comment je mesure la distance à vol d'oiseau? C'est tout ça, la distance à vol d'oiseau. OK? Donc, il va falloir que je prenne ma règle. Tac. De là à de là. Et là, maintenant, il faut que je regarde. OK, je vais faire un produit en croix. Il y a deux méthodes, hein. Soit je prends un rapporteur, je le ramène ici. Sauf qu'en fait, ça dépasse de la carte. Parce que, encore une fois, ils ont fait un truc intelligent. Soit, ben, je le fais à la règle. Alors, à la règle, je vais mesurer cette distance-là, que je vais appeler LFOZ, LFEI. LFOZ, LFEI, hein.
Ça va faire tant de centimètres. Alors, est-ce que je l'ai mesuré moi sur ma feuille? Bien sûr que oui. Ça fait 9 centimètres. Ok. Et on le rapporte toujours sur l'échelle verticale. Alors, sur l'échelle verticale, je ne sais pas si on y voit très bien sur le vidéo proche là. On y voit peut-être mieux ici. J'ai des traits. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merde, je l'ai fait au mauvais endroit. Tac. Voilà. Là, je vois que j'ai 10 petits traits. D'accord? Bah, si je mesure ces 10 petits traits, là, je vois que ça fait 3 cm sur ma carte. Or, moi, je cherche pour 9 cm combien ça fait en nautical miles. Et je sais que c'est 3 cm sur ma carte en verticale. Toujours, toujours, toujours en verticale, jamais en horizontale. 3 cm, je vois que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis entre deux grands traits, ça fait 10 nautiques miles. 10 miles nautiques, pardon, en français. Donc, bah, je vais faire un produit en croix. Comment je trouve cette valeur? Je fais 9 fois 10 divisé par 3. Ou sinon, plus simple, hein, ici je vois que pour passer de là à là, je fais x 3. Bah, de là à là, je fais x 3. Donc ici, en fait, j'ai une 30 miles nautiques entre les deux aérodromes. À peu près, d'accord? C'est sans compter le fait que on passera pas par la P24, hein. Là, on nous demande un vol d'oiseau, donc le vol d'oiseau, c'est la ligne droite. Donc ici, la bonne réponse pour la question 16, c'était la réponse C, 30 nautiques miles. Et attention, nautique, normalement, c'est un N majuscule et non pas un N minuscule, hein. Le N minuscule, c'est nano, pour ceux qui font des sciences. L'hyperventilation, c'est quoi l'hyperventilation? C'est quand quelqu'un il respire très vite, il fait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, là, je le sens déjà quand vous commencez à faire ça, vous pouvez le sentir aussi. Hein. On apporte énormément d'oxygène, hyperventilation, on ventile trop. Donc, il va y avoir trop d'oxygène. Et donc, excusez-moi une seconde. Et donc, s'il y a trop d'oxygène, est-ce que ça peut amener à une perte de conscience? Oui, on peut perdre conscience parce qu'on a trop respiré. D'ailleurs, les personnes qui sont en hyperventilation, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On les fait respirer dans un sac en papier ou une poche ou un truc comme ça. C'est quoi le but? C'est qu'en fait, quand ils vont respirer dans la poche, ils vont respirer très vite, mais dans cette poche, il y aura de moins en moins d'oxygène. Donc même s'ils respirent vite, ça ne sature pas en oxygène et ça évite de perdre conscience. Faible concentration, non, hein. Concentration de gaz carbonique dans le sang. Alors, oui et non, parce qu'en fait, le corps va rejeter le gaz carbonique, donc ce n'est pas le problème. Donc là, c'était vraiment la 1. La question 17. Question 18. La piste d'un aéroport est identifiée par le numéro 23R. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire déjà 23R, elle est orientée au 230. Donc 230, c'est à peu près ici. 230, on est à peu près par là, hein. Donc là, j'ai une piste. Hop. D'accord? Elle va être notée ici 23R. S'il y a un 23R, R c'est pour right. 23 droite. S'il y a une 23 droite, ça veut dire qu'il y a une 23 gauche, hein. 23 left. OK? Maintenant, de l'autre côté. Donc ça, c'était les pistes qui sont orientées vers le 230 degrés. D'accord? Attention, on donne toujours l'orientation vers. Les pistes qui sont de l'autre côté, elles vont être orientées vers quoi? Ben, si ici je suis à 230 degrés, il faut que je fasse un demi-tour dans l'autre sens, c'est-à-dire moins 180 degrés, pour savoir dans quel sens je suis orienté. 230 moins 180, il me reste 50. Donc là, je suis ici au 0,50 degrés, ce qu'on appellera les pistes 0,5. Attention, on prend la dizaine, hein. Et 0,5, celle qui est ici, ce sera la 0,5R, et celle qui est à gauche, ce sera la 0,5 left. Et maintenant, on nous demande quel est le numéro de l'autre côté de la 23R. Donc je prends ma 23R, elle est ici, et celle qui est en face, c'est donc la 0,5 left. Et oui, parce qu'on est de l'autre côté. Donc là, réponse numéro C. Un avion passe le mur du son à 340 mètres par seconde. Cela correspond à une vitesse d'environ quoi? La question 19, c'est une question qui est très calculatoire. Je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller, enfin de la faire proprement pour pas trop vous embrouiller surtout. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme unité? On a 340 mètres par seconde. On connaît ensuite aussi
les kilomètres-heure. On connaît aussi, on pourrait parler des miles per hour, hein, c'est une possibilité. Et on pourrait aussi parler des nœuds. C'est quoi un nœud? Un nœud, c'est un nautique mile par heure. Maintenant, il faut connaître les conversions. Alors, comment on fait ça? Pour passer de mètres en seconde, mètres par seconde, pardon, en kilomètres heure. Alors, soit vous connaissez la formule, soit vous faites comme moi je fais, hein. Si j'ai des mètres en kilomètres, ça me fait 1000 de moins. Donc, ça me fait 0, je divise par 1000. D'accord? Et si j'ai des par seconde, mais que je veux par heure, je fais fois 3600. Donc, en fait, quand je passe de mètres par seconde à kilomètres heure, je fais du fois 3,6. D'accord? Les zéros ici se simplifient. Et 36 divisé par 10, ça fait 3,6. Donc, quand je passe de mètres par seconde à kilomètre heure, je fais 3,6. Le jour du BIA, vous n'avez pas le droit à la calculette. Donc, il va falloir faire les conversions à la main. 340 fois. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous faites fois 36, soit vous faites fois 3,6. OK, on va le faire après. Maintenant, comment je passe des nautiques miles et des kilomètres? Eh bien, il faut savoir que la conversion qu'il faut connaître, hein, c'est que 1 kilomètre, c'est 1,8 nautiques miles. Donc là, fois 1,8. D'accord? 1 km, c'est 1,8 nautique mile. Si j'ai. Donc, du coup, comment il va falloir que je fasse? Ben, il va falloir que je fasse ces deux opérations. Ces deux opérations, ça va être un peu chiant parce que vous n'avez pas la calculatrice à ce moment-là. Ok? Pardon, je viens de dire une bêtise, hein. Si j'ai 1 km heure, si j'ai 1 km, ça me donne 1,8 nautique mile. Donc il faut que je divise par 1,8 pour avoir les kilomètres heure en nautique mile. Du coup, dans ce cas-là, en fait, on a une conversion qui est assez simple. Parce que si vous regardez, je dois faire mon chiffre qui est là, donc 340, fois 3,6 pour l'avoir en kilomètre heure, divisé par 1,8. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, mais normalement, vous devriez le voir. Là, j'ai 1,8 et 3,6, c'est le double. En fait, j'ai 36 divisé par 18. Okay? Et ça fait 2. Parce que c'est 9 sur 18. Donc ici, ça me fait 340 fois 2. Et donc, ça me donne 680 nautiques miles par heure, c'est-à-dire 680 knots, KTS, c'est-à-dire des nœuds. Donc la bonne réponse ici, c'était 680 nœuds. Cette question, le jour du BIA, honnêtement, je pense que voilà, c'est une des questions dures parce qu'il faut passer du temps à faire les conversions, à pas se tromper. Est-ce que je multiplie ou est-ce que je divise et pas de faire une connerie comme j'ai fait tout à l'heure parce que j'ai voulu aller un peu vite. Voilà. Donc ça fait partie des questions à mon avis qui peuvent être les plus piégeantes le jour du BIA. Ensuite, le pilote d'un avion immatriculé FHBNU, il doit s'identifier comment? Foxtrot, Hôtel, Bravo, November, Uniforme. Donc là, univers, on peut l'enlever, hein, c'est pas ça. Foxtrot, alors c'est bon. France, non. Beta, non. Bah, en fait, voilà, il nous reste quoi? Bah, il nous reste que celui-là, hein. C'est le D directement. Un 4 points vert, D. Une carte Lambert. Alors la carte Lambert, ça c'est des choses à connaître, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la planète Terre comme ça et on avait dit la carte Lambert c'est celle qu'on utilise, elle est projetée comme ça, c'est-à-dire c'est une projection conique. Et enfin, le DME. Alors le DME ça veut dire Distance Measuring Equipment. Il mesure quoi? Ben, en fait si j'ai mon avion qui est en l'air ici, hop, ça c'est mon avion, ça se voit grâce à l'hélice encore une fois, hein, et que j'ai mon DME ici. Il mesure cette distance-là. Il faut faire attention parce que quand je suis très loin, pour moi, cette distance et cette distance, si regardez, si j'ai mon avion qui est très loin ici, la distance-là ou la distance-là, c'est quasiment les mêmes. Par contre, plus je suis près, plus je suis haut, plus ces deux différences, elles vont être différentes. Plus ces deux grandeurs vont être différentes. En tout cas, qu'est-ce qu'elle mesure? Elle ne mesure pas la distance sol, ça c'est pas vrai. Elle mesure à la fois l'altitude et la distance, mais en fait, elle mesure pas les deux, elle mesure la combinaison des deux dans la distance oblique. Donc là, la bonne réponse, la moins pire, on va dire, c'est la D.
Voilà pour ce module 4. Il nous reste plus que l'anglais à faire. Hop là.